Tout ce que nous demandons, c'est que notre pays soit développé. Nous en avons les moyens. Notre pays est riche, mais la population est immensément pauvre. Parce que depuis 50 ans, un clan se partage toutes les richesses du pays. Et lorsque le peuple s'exprime dans les urnes pour dire qu'ils n'en veulent plus, ce peuple est traité comme du bétail, abattu comme de simples animaux. On ne peut pas laisser faire. Que ceux qui se disent humanistes en France, dans le monde, réalisent que les Gabonais sont des êtres humains. S'il vous plaît, que les Gabonais cessent de mourir. Si la communauté internationale prend du temps à réagir, chaque minute perdue, c'est un Gabonais qui meurt. Chaque minute perdue, c'est un opposant qui va disparaître. Chaque minute de perdue, c'est un citoyen, c'est un membre de la société civile qui va être enlevé. On entend votre cri d'alarme, Laurence Ndong. Vous restez